Bon, le nouveau bricolage du jour. Hop, démontage d'une petite alimentation 5 volts. Tiens, tiens, tiens donc. Ah, ça m'intéresse particulièrement. D'accord. Ah. Pas de connexion data. Oh, Alors, bon. Bon, bah, c'est les aléas du direct. Donc, du coup, on va pas du tout parler de ce que je voulais faire de cette petite lime. Plutôt regarder ce que j'ai comme connexion USB. Vertical. Bon, ça c'est du mal, on s'en fout. Bon, je vais peut-être pas pouvoir la mettre à plat, mais ça c'est pas grave. Bon, du coup voilà, j'ai fait la modif, j'ai rajouté le port USB. Alors c'est juste un USB power, il y a juste un plus un moins, c'est tout, c'est juste pour charger, mais... J'ai quand même conservé la sortie d'origine. Au cas où j'aurais remodifié l'adaptation un jour pour faire autre chose. Il y a même une patte en l'air, hein, c'est vraiment très clair que là il n'y a pas de risque pour les données, c'est vraiment juste une charge. Et c'était prévu sur le PCB curieusement, alors que le boîtier ne le permettait pas. Boîtier d'origine. Bon bah du coup la fonction principale va devenir chargeur USB pour cette petite allume, mais il faut que j'en trouve une autre pour mon autre projet. Je me demande si celle-là irait pas. Alors, faut que je vérifie les tensions. Parce que du coup je vais peut-être utiliser celle-ci plutôt pour mon petit projet. En remplacement de celle-ci qui était prévue initialement. Elle est juste un peu plus grande. C'est pas une catastrophe. Le fait qu'elle soit un peu plus grande, du coup, il faut que j'arrive surtout les tensions qui vont bien là, parce que c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué dessus. Faut que je la passe à la mesure. En tout cas, c'est une très bonne surprise d'avoir eu celle-ci. Avec un connecteur déjà disponible. Ça tombe bien, j'ai besoin d'une alim USB pour faire un petit projet. Encore un autre. Donc là, la question ne se pose même plus.